Donc cet après-midi, c'est la première fois que je tourne à Skyrock dans les locaux de Skyrock. Et du coup, je vais tourner mon arrivée dans les studios après le freestyle au téléphone. C'était génialissime. Ce tournage chez Skyrock, on a été hyper bien accueillis. Puis c'est d'autant plus kiffant qu'ils avaient très envie qu'on tourne chez eux aussi. C'était assez fou parce que tout le monde avait envie de montrer de quoi il est capable, et en tant que rappeur et en tant qu'animateur. Donc on a eu un Fred de Sky qui était le parfait chef d'orchestre des scènes qu'on tournait dans ce Planet Rap. Un vrai rôle de composition, le mien. Voilà, en effet. C'était top, tout le monde était surexcité. Remonter à bloc, prêt pour le rendez-vous. Bon, moi j'ai connu les ambiances de justement de Planet Rap, de Skyrock, où il y a plein de monde. J'ai retrouvé les mêmes ambiances. Un peu familier, tu vois, c'était un peu l'ambiance quartier, on est tous ensemble, ça rigole, ça vanne. Ça fumait, ça buvait, ça déconnait, c'était un super moment. Et c'est parti avec un premier coup de fil qui nous vient de Paris, allô? Allô Fred, je suis à l'antenne là? T'es en direct, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément. En tant que rappeur, moi j'aime bien Skyrock. Forcément, ça représente un certain accomplissement pour un rappeur. Petit navire est fatigué, je crois que tu te fais trop vieux. Je suis là-bas, tu vas te faire chavirer. C'est qui? C'est qui? Quand ce Fred te donne la parole pour que tu dis ça va mec et tout ça, n'oublie pas d'être très sympa là. Ouais. Ce qui va marquer la rupture de quand tu vas commencer à être dur après. Bah si tu veux lui répondre, n'hésite pas, hein, si tu veux répondre à Clément. Je connais. C'est le rap game, c'est ça que j'aime bien dans tes émissions justement Fred. C'est super intéressant à jouer, mais en même temps c'est complexe parce que justement il faut passer justement d'un moment où t'es super à l'aise. T'es là, t'es on va dire, les lumières sont sur toi, à un mec qui arrive et justement t'as toute l'ascenseur émotionnel où tu ne comprends pas ce qui se passe, mais en même temps t'es énervé, mais en même temps tu te sens menacé. Et en fait il y a tout ça à jouer. Ouais, c'est lui, c'est Clément qui est en train d'arriver. Clément, au moment où il rentre dans les studios de Skyrock, finalement, et qu'il rencontre ma star, il est comme un gamin. De jouer ça, le gars qui est impressionné parce qu'il voit son rappeur préféré, mais en même temps un peu gêné parce qu'il lui a envoyé des punchlines en pleine tronche, et en même temps il a envie de bien faire, donc il est aussi concentré sur ce qu'il doit rapper. Enfin, c'est assez complexe, mais c'est cool. Il réalise pas qu'en fait ce qu'il vient de faire, c'est pas juste un moyen d'ouvrir la porte. Ça a été aussi perçu comme une attaque personnelle. Un star, c'est quelqu'un qui connaît la musique. Ça veut dire que quand il voit freestyler à Skyrock, il y a ce visage de détresse en mode « qu'est-ce qui se passe en fait ?» Parce qu'il sait qu'il est bon. Et c'est ça qui va faire qu'il va amener tout ce truc de rivalité entre les deux. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même Zéo. Ce qu'il fallait à ce moment-là, c'était de montrer aux spectateurs que ce mec-là, qui, deux minutes avant, vendait de la weed, va être un phénomène et va être le héros de cette série. C'est un événement qui est en train de se passer, il faut que tu me l'incarnes, ça, tu vois. On avait conscience pendant qu'on le tournait que c'était fort, qu'il était habité, et qu'il était habité par Apache, et pas par Attic. Ce jour-là, il fait quelque chose qui est essentiel pour la série. Voilà, c'est un acteur ce jour-là. C'est un acteur qui rappe, mais qui rappe un personnage, qui rappe plus lui, quoi. J'ai compté tellement de CEO que j'en ai des crampes. La rue la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Une fois que la prison pour mineur. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal.